maison de David Michaud, 708 rue Commerciale Nord, construit au début du 20e siècle. C'est au cours de l'année 1863 que David Michaud, père, s'installe au Témiscouata avec sa famille. À l'aube de la cinquantaine, il décide de quitter son patelin natal de Saint-André de Kamouraska pour devenir l'un des premiers chirurgiens à pratiquer à l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac. Il exerce pendant plus de 15 ans. Son fils, David, épouse Lydia Bergeron en avril 1896. Le couple choisit de s'établir à Cabanon et d'y fonder un foyer. Commerçant dans l'âme, David ouvre un magasin général à même sa résidence. Quelques années plus tard, vers 1900, le couple offre une seconde vocation à leur propriété, faisant d'elle une auberge. Bien que risqué, le changement de vocation s'avère bénéfique. L'auberge connaît un bon succès et accueille des gens importants. Les premiers dirigeants de la compagnie Fraser et du Témiscouata Railway y sont hébergés au tournant du 20e siècle. Les années passent et David Michaud continue de faire tourner l'auberge avec sa tendre moitié, Lydia. Cependant, le désir de s'accomplir autrement prend le dessus et cherche un nouveau défi à relever. La politique municipale lui fait de l'œil depuis longtemps. Commerçant et aubergiste établi et respecté, il gagne en popularité et sa candidature est supportée par bien des citoyens. C'est donc le 5 septembre 1907 qu'il devient le tout premier maire de Saint-Mathias de Cabanon. En bon travailleur acharné, David fait des miracles avec son équipe de conseillers. Messieurs Georges Bérubé, Alfred Dionne, Archibald Fraser, Victor Paturel, Joseph Latulippe, Ferdinand Thiel et J. Odilon Pelletier. Dès les premières semaines en poste, le conseil municipal jette les bases administratives. En premier lieu, on veille à la création des arrondissements de votation, des règlements, des permis, des règlements publics, de l'entretien des chemins et on nomme les officiers municipaux. C'est alors que les membres du bureau d'hygiène, les gardiens d'enclos, les inspecteurs, les constables et les auditeurs s'ajoutent au personnel municipal. En 1907, Saint-Mathias voit à l'adoption du rôle d'évaluation et dresse la liste des électeurs. On souhaite aussi assurer le transport sécuritaire en demandant aux instances gouvernementales de construire un pont sur la rivière Cabanon. Parmi toutes les motions adoptées au cours de l'année 1907-1908, quelques-unes peuvent nous faire sourire aujourd'hui, mais elles étaient ô combien importantes pour l'époque. La première adoption du conseil permet au maire de chauffer le local des séances du conseil aux frais de la municipalité. Une autre souligne l'urgence de construire une geôle pour les délinquants et d'acheter des menottes. Dans le même ordre d'idée, une motion interdit les maisons de désordre, de débauche ou de scandale public. Il est aussi formellement prohibé de troubler l'ordre public en criant, jurant, blasphémant, disant des paroles sales ou injurieuses, ou en déchargeant des armes à feu dans les chemins publics ou ailleurs. Un peu plus tard, le conseil passe un règlement qui cible les propriétaires et les occupants de la paroisse. La population devra désormais entretenir la propreté de ses propriétés et de ses cours arrière afin de limiter les risques de propagation de maladies contagieuses. Cette première année très chargée vient à bout de l'ambition politique de David Michaud. Après seulement quelques mois en poste, ce dernier rend sa démission au cours de l'année 1908. Malgré ce court mandat, il aura gagné son pari, celui de laisser une marque indélébile dans l'histoire de sa paroisse. David Michaud s'éteint en 1958 à l'âge de 86 ans. Sa sépulture se retrouve au cimetière du quartier Cabanon. Au fil du temps, sa maison aura accueilli beaucoup de voyageurs, subi quelques transformations et aura même été déménagée. La propriété est désormais une douce maison d'hébergement pour les personnes vivant avec un certain handicap. Nul doute que cela le rendrait bien fier.